Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Bienvenue aujourd'hui dans le sud d'Aveyron pour aller explorer quelques recoins d'un plateau assez méconnu qui s'appelle le plateau du Lévézou. C'est parti tout de suite. On est en train de redescendre ce monticule qui nous a permis de faire quelques vues donc en ce début de rando. On était à 1030 mètres d'altitude et on a démarré à ce col qu'on aperçoit là juste en face de nous. Et donc à présent on va se diriger vers cette forêt de sapins là. Alors on a démarré cette rando sur ce mamelon qu'on a juste derrière cette croix qui donne le nom au col où on se trouve. Ça s'appelle donc le col de la Croix de Boudet. Et là c'est très peu lisible, mais il y a écrit 1844 hein, sur cette croix. Je crois qu'on le voit à peine là, en contre-jour, c'est pas vraiment lisible. Alors Lionel, tu vas nous expliquer pourquoi ce col s'appelle le col de la Croix de Boudet. Ben, en fin de compte, Monsieur Boudet est décédé à ce col. Et un fermier qui habitait les environs a construit cette croix à son hommage en 1844. Allez, on arrive sur une fin novembre là pour cette rando idéale là pour aller admirer les dernières couleurs d'automne. Parce qu'on est quand même à 1000 mètres ici. Et les arbres se déplument assez vite. Et donc on va attaquer avec une piste forestière. Alors je vais vous parler de ce circuit qui développe à peine 14 500 km pour 450 de dénivelé, donc rien d'extraordinaire. Et le début d'ailleurs c'est la partie peut-être la moins intéressante que l'on va parcourir parce qu'elle est assez monotone dans cette forêt de sapins. Mais la suite, il y aura quelques découvertes à faire et vous allez les voir les unes après les autres. Allez, on se dirige vers la première découverte de la journée. Ça s'appelle le site des Basiols. C'est un endroit qui était situé sur une antique voie romaine qui reliait Millau à Rhodes. Allez, on va donc aller découvrir ces quelques vestiges d'un temple gallo-romain. En fait, il y a 9 édifices. Construits les uns à côté des autres. Je vous mettrai un lien dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez en savoir davantage sur ce lieu un petit peu particulier. On ne peut pas la rater parce qu'on l'aperçoit vite de la route quand même. Donc voilà, ce sont des constructions carrées. Et donc c'était 9 mini-temples. Ce n'était pas des maisons hein, ici. Hein. C'est comme un lieu de prière, je pense. Voilà donc un endroit qui date donc de cette époque gallo-romaine, peut-être il y a 1500 ans en arrière. Thank you.
Allez, cette fois, on retrouve les grandes vues dont on se régale d'habitude. Et juste derrière Lionel, vous pouvez peut-être l'apercevoir en contre-jour. C'est le viaduc de Millau. On vous l'a souvent présenté. Vous avez une vidéo principale à retrouver en haut à droite. Allez, on a des vues vraiment immenses là sur notre gauche. On est à 1050 mètres d'altitude et le regard porte vraiment très loin vers les Cévennes et la région des Grands Causses. Et là, donc, cette fois-ci, ça y est, on va amorcer cette descente qui va nous ramener quelque peu vers de la civilisation. C'est bien humide aujourd'hui. Hein. Il a plu il y a quelques jours. Et là, comme on arrive déjà à fin novembre, forcément, ça a beaucoup de mal à sécher. Vous aimez les vidéos de Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Alors, c'est le moment de penser à vous abonner. C'est très rapide, un seul clic suffit. Et puis si vous aimez encore plus nos vidéos, eh bien c'est le moment aussi de penser à nous faire des dons. Ça se passe via les cagnottes Tipeee ou Litchi. Les liens sont dans la description sous chaque vidéo de la chaîne. Merci beaucoup par avance. Et on commence à rentrer dans les premières habitations parce que là, on approche des premiers villages de la journée. Il y en aura un principal qu'on vous présentera tout à l'heure. Et voilà une nouvelle croix là. Et celle-là, elle est plus récente parce qu'elle est de 1936, alors que la nôtre tout à l'heure était de 1844. Et là, on continue dans le chêne, mais alors vraiment énorme. Hein. Ouh. Des belles bêtes là. Alors c'est pas fini les amis là, on est carrément dans le cours d'un ruisseau là, on s'est trompé là, on n'est pas dans le sentier là, c'est pas possible. Et là, on aurait pu amener un sac pour ramasser des châtaignes. Là. Il y en a, je ne sais pas si tu as vu. Allez, c'est la randonnée des croix. Il y en a un petit peu partout ici. Hein. Donc là, on arrive
au fameux cloître dont je vous avais parlé tout à l'heure. On a mis quand même un petit peu plus de temps pour y arriver, mais il est en vue quasiment. Donc là, on a la ferme qui jouxte, la belle ferme d'ailleurs, hein, qui jouxte notre prieuré cloître. Il doit être juste derrière, d'après ce que j'avais vu. Pour l'instant, il se laisse désirer. Je ne sais pas où il est caché, mais on va y arriver. Alors, on espère que ce que j'ai lu va être vrai, puisqu'on doit pouvoir le visiter à l'année. On doit pouvoir y pénétrer. Ouais, là, il y a eu de la restauration, là, quand même. Ouais, ouais, des vitraux qui sont très modernes. Je te rappelle que la resto date de 1970. Alors, je sais pas, j'ai quand même un doute sur le fait qu'on puisse rentrer. Alors là, j'aimerais bien, mais je sais pas pourquoi. Bon, sinon, on ira peut-être demander à la ferme de nous ouvrir. Enfin, on va voir ça. Alors, Lionel, ouvert ou pas ouvert? Ah si, ben ouais, on a de la chance. Alors là, on a une voie qui est assez large, un chemin assez large. Et donc, il s'agirait d'une voie romaine antique. Il paraît que par endroits, on voit les roues de charrettes, selon les endroits plus ou moins pierreux, évidemment. Donc, voie qui était très usitée pour passer donc de Millau jusqu'à Rodez. Je vous l'avais dit tout à fait en début de vidéo. Et là, on va arriver à notre grand village du jour. Après, c'est quelques hameaux. Mais ce sera le village de Saint-Bozély. Saint-Bozély, nous voici. On va accéder à ce village là, qui est juste en dessous de nous. On est dans ces faubourgs là, partie haute, 630 habitants, je crois me souvenir. Le nom de Saint-Bozély est un dérivé de Saint-Baudille. Et on va aller admirer le château et l'église. Et voilà les ruelles de Saint-Bozély. La
avec le tailleur de pierre. Ça rien, 1666, quand même. Ah oui, 1666, ça sert. C'est quand même de la vieille maison. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte comme ça par moment, mais. Et voici donc le tympan de cette chapelle de Saint-Bosely. Et je crois qu'elle abrite le château, plus ou moins, avec elle, hein, si j'avais bien vu ça sur les photos. Et là, en fait, ça serait le château, là, non? Cette partie-là, hein, que tu vois là. Hein. Allez, on contourne le château. On va juste essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. C'est donc le château. Ouais, c'est donc le blason de Saint-Bosely. Là, on serait à l'entrée du château, donc il doit se visiter, mais on voit le panneau là, du 15 juin au 31 août, pour info. Puis donc, on va vous montrer l'hôtel du centre, qui n'exerce plus depuis quelques années, là, avec sa pompe à essence, j'imagine, manuelle, ou je sais pas comment ça marchait, cet engin. S'il y avait de la pression. Avec la boucherie, là, juste à côté, on distingue les écritures. Ça appartient bien au standard de pétrole. Voilà, c'est bien du pétrole, donc voilà, c'est bien de l'essence ou quelque chose dans ce style-là. Allez, donc ça vous donnera peut-être envie de venir ici. Il y a un peu de bruit, mais assez pittoresque comme village. Hein. Voilà, voilà une porte un peu plus récente, 1855. Mais c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, bon, c'est vrai qu'on avait combien? 1600 1666. 1666. Voilà, c'est la mairie là. Hein. Donc là, c'est pas une maison. Hein. Ben, je sais pas, ouais. Il y a deux parties apparemment, ou c'est l'école alors. Et donc, c'est là où on va commencer la remontada. Puisque là, tout ce qu'on a perdu là, ben, il va falloir le regagner là. Allez, on quitte désormais Saint-Bosely, on a atteint l'autre extrémité du village. Et on va quitter le goudron pour du sentier. Et un endroit un peu moins civilisé pour revenir à notre point de départ. Et une fois de plus, eh ben, on a toujours des croix par-ci par-là. Mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup ici. Ah ouais, ben l'info était bonne, donc il y a bien un moulin. On voit juste une ruine hein, sur les cartes.
quelques ronces, mais ça va. L'accès est plutôt facile. Alors, ça va être dur d'y rentrer dedans, mais je vais essayer de vous le montrer. Voilà donc l'intérieur de notre moulin. Il vaut mieux pas trop y rentrer, quoique là, bon, je pense que la toiture elle est déjà tombée. Et il y a juste cette porte murée là qui m'intrigue un peu, avec une sorte de fenêtre aussi là. Voilà, donc il y a cette inscription là, il y a écrit moulin, hein, je pense. Hein. Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Ouais, mais c'est des lettres assez bizarres. Si vous arrivez à nous dire ce qu'il y a écrit, on dirait que c'est écrit à l'envers. C'est pas écrit à l'envers? Regarde en bas là, BL. Ouais, ouais. Si vous arrivez à déchiffrer ça là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous arrivez à voir là. Hein. Ah voilà la partie basse du moulin. Attention de ne pas boire à la tasse là, Lionel. Ça va pas être évident là. Eh ouais. Tu vas te mouiller. Ah, c'est pas évident. Hein. Ah, en effet. Hein. S'il y a un peu plus d'eau là, tu passes pas là. Hein. Allez, on va quitter notre ruisseau là maintenant. On va retrouver des parties un peu plus sèches, j'ai l'impression, pour l'instant. On n'est pas perdu. Mais attends-moi ! Ça y est, il est parti. On n'est pas encore à 1000 mètres là, mais on doit être dans les 900. La plupart des traces que nous proposons sont en GPX, dans le descriptif, dans quasiment toutes les vidéos. Comme ça, vous pouvez refaire les mêmes parcours, si vous en inspirez, ou même les modifier, pourquoi pas. Allez, c'est le coup de collier final pour rejoindre notre sommet du matin. On se quittera dans quelques instants. Et bien voilà, on se retrouve au point de départ de ce matin. C'est le sommet qui nous a accueillis pour le tout début de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, son contenu. Merci de penser à vous abonner, à liker cette vidéo et les autres, bien entendu. Pensez également à laisser des dons sur Tipeee ou sur Litchi. On vous en remercie par avance. Passez de belles randonnées. À très bientôt. Salut, ciao. Salut.